sens à l'issue de cette première matinée détendu et plutôt confiant. Je suis un peu stressé au niveau du passage devant le jury, mais autrement, dans l'ensemble, ça va. J'ai appris plein de choses. La formation au niveau du CQP, c'est mon entreprise qui me l'a proposé. Le fait en plus que mon employeur me l'ait proposé, ça veut dire qu'il est fier de mon travail. C'est valorisant, c'est gratifiant. Je trouve que c'est une reconnaissance pour moi. Ça me permet d'évoluer au sein de ma société. Du coup, j'ai accepté assez rapidement pour avoir une meilleure qualification et essayer d'évoluer au niveau de mon poste et essayer d'apprendre plus de choses. Ça récompense le travail, je pense. Donc les différents modules se sont déroulés sur plusieurs semaines. Il y a le module technique, il y a des modules classe virtuelle à distance. Il y a sur site à Épernon. Avec les formateurs du CERIP. C'est une très belle expérience professionnelle, le fait déjà de pouvoir évoluer au sein de mon entreprise. Faut pas rester sur nos acquis, essayer d'apprendre le maximum de quoi, toujours pareil, évoluer. C'était enrichissant pour moi personnellement, et en même temps ça m'a permis d'approfondir mes connaissances sur le béton. C'était une bonne expérience. Aujourd'hui, je dirige la ligne de production, donc ça va être surtout de maintenir toutes mes connaissances acquises lors de cette formation. D'agent de laboratoire, je suis passé chef d'équipe, donc c'est une belle évolution. J'ai 10 personnes sous ma responsabilité. Si demain tout était à refaire, je pense que oui, je referais cette formation. Si c'était à refaire, je pense que je le referais. Pour toutes les connaissances que j'ai pu acquérir, pour l'accueil qui a été fait à chaque fois par le CERIB. La formation, je la conseillerais à d'autres, oui. Pilote d'installation ou dans l'entretien ou chef d'équipe, je la conseillerais.